Taekou, la main noire, était le capitaine pirate le plus cruel de toute l'histoire de l'île d'Iki. Il découpait ses victimes, un membre après l'autre, et offrait les meilleurs morceaux à son fidèle compagnon, un singe sournois. L'armure de Riku, fabriquée en l'honneur d'un brutal Sarugami, était possédée par ce singe démon. Ces murmures maudits poussèrent Riku à prendre des risques, attisant son désir de richesse et le menant inexorablement à sa perte. Il y a 6 ans, Riku la main noire attaqua un navire de réfugiés transportant des enfants. Il jeta les plus jeunes à la mer et dépeça vivants le samouraï qui les protégeait. Son équipage, horrifié, observa son singe dévorer les peaux arrachées, puis se mutina. L'équipage de Riku projetait d'empoisonner son ignoble capitaine. Il fut poignardé en plein cœur et aveuglé par le poison. Mais il s'accrocha à la vie, protégé par l'armure du Sarugami. Riku mit le feu à son navire et s'enfuit avec son singe, laissant son équipage périr dans un tombeau de flammes. Avant de mourir, Riku cacha son armure quelque part sur l'île d'Iki. Désormais, il hante la côte, esprit vengeur s'attaquant à quiconque, brave et autre fou, qui convoite l'armure maudite de Riku la main noire.